On me dit souvent t'arrêtes pas de critiquer dans tes vidéos, ça veut dire que t'aimes rien? Bah non. Non, j'aime plein de trucs, hein, j'aime bien les... Comment ça vole? Ensuite c'est la partie où le vent va ce qu'on appelle une aile delta. Et l'aile elle vient jusqu'à l'arrière de l'engin. Donc là, le profil va nous aspirer le dessous. J'ai dit que c'était une dépression, donc ça va aspirer le dessous et ça va rétablir. L'eau est plus, l'air est compressible, l'eau ne l'est pas. Ça va exploser. Là, on va envoyer de l'air, il va y avoir un petit peu d'air qui va monter tout en haut de la bouteille. Oui, alors je vais y revenir. On va faire un petit jeu. Je vais vous montrer que pour ceux qui douteraient, qui se diraient c'est peut-être magique. D'accord, je vais vous montrer. Voilà. Allez là, hop. Alors pendant sa chute, il atteindra une vitesse de plus de 1200 km/h, ce qui fait qu'il passe le monde. Non. Regardez là, c'est tôt, là ça commence à être assez net. Là on est à 60 hectopascal, donc on a presque à 20 km. Et à 20 km, l'eau, elle. À une vitesse à peu près raisonnable, ça passe, c'est tombe dans la vie. Là, ce ballon, il va monter sur volume, barre, il y a tout simple. Et forcément, fatalement, il y a tout simple. Alors, justement, en une première partie, je vais vous expliquer deux, trois principes, deux, trois grands types de famille. Pour pouvoir aller dans l'air. C'est encore du mal. Mais après ça, on va aller expérimenter un petit peu, faire du vol avec des avions de suite parce que. On est en là, 600 mètres de dénivelé. Les atterrissages.